Bonjour, aujourd'hui on a organisé une journée autour de l'impression 3D et son rôle dans le développement et l'amélioration des soins au Maroc. Pour nous, en tant qu'Université Mohamed VI des sciences de la santé et grâce à ce Fab Lab qui a pu donner un espace de collaboration entre un médecin, ingénieur, pharmacien et dentiste, chirurgien dentiste, cet espace de collaboration permet aussi de développer des projets de recherche. Et chaque étudiant, lorsqu'il va présenter son projet de fin d'études, il est dans l'obligation de présenter un modèle imprimé sous format 3D. L'impression 3D permet aussi à l'hôpital d'imprimer les instruments du bloc opératoire. Il permet aussi d'imprimer des prothèses, imprimer des orthèses, imprimer des parties du corps pour le remplacement afin d'avoir une motricité et reprendre une vie normale. Toujours dans l'optique de l'université, dans le cadre de l'innovation, nous avons pu bénéficier de la prise en charge d'un patient qui a été pris en charge toujours dans le cadre toujours de l'innovation, d'une reconstruction de la mandibule à partir de l'impression 3D qu'on a pu réaliser. C'est un patient donc, qui nous a permis vraiment de réduire le temps chirurgical éventuellement qui a été moins mutilante pour le patient, donc qui a pu récupérer au bout de 2 semaines et qui est tout à fait normal à ses jours comme les autres patients. Et à la fin, je remercie la présidente de l'université, le centre d'innovation, qui ont permis aux différentes facultés qui sont affiliées à l'université de bénéficier de cet espace collaboratif et qui va permettre aux jeunes médecins, ingénieurs, pharmaciens, dentistes de développer de la recherche, tout ça pour l'intérêt du patient et de la nation.